Tu ne peux pas dormir, chérie? J'ai fait un rêve, maman. Tu as rêvé de quoi? Encore? Papa, quand est-ce que j'aurai une bicyclette? Je ne sais pas, nous verrons cela. Mais tu dis toujours ça, papa. Tu es prête à le gagner? Oui, je ferai n'importe quoi. D'accord. Si tu travailles dur et que tu économises, tu auras un vélo. Merci, papa. Maman, on peut sortir la poubelle? Pas ce soir, chérie. Attendons demain matin. Ta poupée a l'air bien fatiguée, tu sais. Il est temps d'aller la mettre au lit, d'accord? D'accord, j'y vais. Tu viens, Poupie? C'est très très bien, Stacy. J'ai économisé tout mon argent, comme tu l'as dit, et même je n'ai pas acheté le chaton que Jody Walter vendait pour 5 cents. Je suis bien content pour toi. Moi aussi, mais... Papa, tu crois que j'ai assez d'argent pour acheter une bicyclette? Avec ce que tu as, tu pourras au moins regarder... On y va tout de suite? Immédiatement. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, si tu veux, on peut y aller. Chouette. Minute, minute. Oh, oh, oh. Dépêche-toi, dépêche-toi. Attends, ne me tire pas comme ça. Attends. Jessie, on va chez le marchand de vélo. On revient dans une demi-heure. C'est celui-là que je veux. Tu es sûr? Oui. Il est vraiment très beau. Rose, c'est très joli. Je n'aurai jamais assez d'argent pour acheter la bicyclette, papa. Voyons un peu combien est-ce que tu as économisé d'argent. Tu ne vas pas en avoir assez. Mais il y a une solution. Tu sais, Stacy, ce qu'il faut qu'on fasse? Une belle grosse bise et toutes tes économies. Et le vélo est à toi. C'est vrai, ça? C'est vrai. J'adore la gymnastique. Je me rappelle qu'à l'âge de 12 ans, j'ai vu les Jeux Olympiques à la télévision.
Aussitôt, j'ai voulu faire de la gymnastique. C'était ce dont je rêvais. C'est ce que je voulais faire. C'est excitant de sentir le vent dans les cheveux et de savoir que ce que l'on fait est beau et parfait. J'adore les barres asymétriques. J'aime encore repenser à ces exercices et les refaire en pensée, tant c'est agréable. Ce que j'aimais dans les barres, c'était l'impression de m'envoler et de sauter. Oui, j'étais très à l'aise aux barres asymétriques. Je sentais le moment exact du rebond et je profitais de tout l'élan. Mon but en gymnastique était de devenir une championne. Et tout mon entraînement visait justement à ce but. J'ai eu l'occasion de monter sur la plus haute marche du podium. Et cela a été une des plus grandes expériences de ma vie. Et cela m'a appris aussi que si l'on persévère et qu'on ne baisse pas les bras, on finit par réussir. La tournée professionnelle était un très bon moyen de financer ma mission. J'ai pris l'avion pour Miami en Floride. Et pendant le premier jour d'entraînement, j'étais en train de m'échauffer au saut à cheval. Celui qui m'assurait était allé à l'autre bout du gymnase pour aider quelqu'un d'autre et j'ai décidé de faire encore un exercice. Je pouvais le faire seul, je n'avais pas besoin qu'on m'aide. Mais cette fois, j'ai poussé beaucoup trop fort sur les mains. Et sans le vouloir, j'ai fait un quart de tour de trop lors d'un saut périlleux et je suis tombée sur mon cou. Du moment où j'ai touché le sol, j'ai senti tout de suite mon corps secoué de violents soubresauts jusqu'à la pointe de mes orteils. J'ai essayé d'appeler à mon secours, mais j'avais réellement des difficultés à parler. Et puis, je n'arrivais pas du tout à inspirer. Mais des gens se sont vite aperçus que j'étais blessée. Ils ont appelé une ambulance et ils m'ont mis sur une civière. Je me rappelle que quand on m'a sortie du gymnase, je me suis dit, tout est fichu. Dès que je suis tombée, je me suis rendu compte que j'étais blessée. Mais je ne savais pas à quel point c'était grave. J'étais quasi certaine que 3 mois plus tard, plus ou moins, j'aurais été sur pied. Et que tout aurait été résolu. Mais le temps a passé. Et quand je suis sortie de l'hôpital et que je suis rentrée à la maison, il m'a fallu essayer de vivre. Je me souviens encore de la première fois où j'ai eu le courage de me regarder dans une glace en pied. C'était vraiment terrifiant. Je n'avais plus du tout l'air d'une championne de gymnastique. Je ne me suis pas reconnue du tout. Alors j'ai observé autour de moi les trophées. Et j'ai regardé les affiches qu'il y avait au mur. Ma gloire appartenait au passé. Je touchais le fond. Je n'avais plus rien à donner. Mais au fond de mon cœur, je savais que mon Père Céleste ne m'abandonnerait pas. Et que si je lui faisais vraiment confiance, eh bien, il me répondrait présent. La vie est parfois dure. Et elle n'est pas toujours juste. Parfois, on souhaite quelque chose de toutes ses forces, mais on ne l'obtient pas. On a fait appel à tout son courage. On a donné tout ce qu'on avait. Et ça ne suffit pas. On n'a pas envie d'abandonner, mais on ne peut pas donner encore davantage. Je crois qu'arrivé à ce point, il faut remettre ses fardeaux au Seigneur. Et parce qu'il nous aime énormément, il nous fortifiera. Et cela ne veut pas dire qu'il va se produire un miracle et que tout pourra changer. Le miracle, c'est plutôt le changement qui se produit en nous. Il fait en sorte que, soudain, on retrouve enfin l'espoir. Et on peut faire face. On peut continuer, bien que tout se soit écroulé. Quand je faisais de la gymnastique, quand je pensais à la résurrection,
Cela ne voulait pas dire grand-chose pour moi, parce que... je ne voyais pas tellement ce que j'aurais voulu changer. Mais après mon accident et m'être trouvée dans un fauteuil, je sais que ça va être formidable. J'attends le sauveur. J'attends que le sauveur me guérisse. Je crois que je vais faire un ou deux sauts périlleux. Un jour, les missionnaires sont venus dans notre classe. Ils nous ont donné à chacun un livre de Mormon. Ils nous ont demandé d'écrire notre témoignage au début et de le donner à l'un de nos amis. Le livre a bien dû rester un mois dans mon vestiaire. J'avais vraiment peur, je ne savais pas quoi dire. Mais j'ai vu Marc. Alors j'ai fait une prière dans ma tête et j'ai demandé d'avoir le courage de le faire. Je me suis levé et, sans réfléchir, je le lui ai donné. C'était incroyable. Je lui ai parlé du livre de Mormon. J'agissais comme si j'étais un missionnaire. Il n'a pas dit grand-chose, il a pris le livre et il est parti. C'était incroyable. Je sais que sans l'aide du Seigneur, je n'aurais jamais été capable de le faire. J'étais là la première fois que Marc a fait une prière à voix haute. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Je ne sais pas s'il va se faire baptiser. Mais si je n'avais pas prié pour avoir de la force ce jour-là, qui sait quand je lui aurais parlé de l'Évangile ? Je me rappelle, un jour à l'école, j'ai dit quelque chose de méchant à Diane sur ses vêtements. Parfois, je n'arrive pas à croire ce que je peux dire et faire pour impressionner mes copines. Je sais que ce n'est pas bien. Après, j'ai prié pour avoir la force de changer et de faire ce que je devais faire. Ça n'a pas été facile de lui faire des excuses. Je n'aurais jamais pu le faire sans l'aide du Seigneur.